Bon, on va parler des concerts qui vont arriver ces jours-ci, là. Donc le vendredi 1er juin, c'est pas loin maintenant, on est fin mai, Oui, c'est vendredi, tu viens de le dire, c'est dans 3 jours. là. Il y a un groupe qui fait un tribute à Pink Floyd qui s'appelle Pulse. J'ai déjà vu sur scène, c'est vraiment très bien fait, voilà. Si vous êtes intéressé par le genre, c'est au théâtre de l'Hélice à Contes, à 20 h. Donc voilà. D'accord. Je ne connais pas ce théâtre. Je vois une grande salle du côté de Comte. C'est peut-être de celle-là qu'il s'agit. Je suis déjà passé devant en voiture ou à moto. Voilà. Le vendredi 1er juin, les Voiles d'Antibes, c'est un bar à Antibes. Donc à 21 h, il y a les Running Birds, groupe niçois bien connu. Voilà, qui fait. Où il y a comment, Fabrizio Oui, Morabito dedans. c'est Voilà, ça, entre autres. Simonet, je crois. Voilà. Avec une technique absolument incroyable. Voilà, c'est des bons, allez-y, c'est très sympathique. Le 2 juin, à Lantosque, alors c'est pas la porte à côté, Lantosque, hein, ça doit être dans le 04, ça, je suppose, ou Mais non, 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 Lantosque, c'est pas, c'est mais pas du Nice, tout. c'est Lantosque, 06. c'est pas si loin que ça. Ah C'est bon, dans la d'accord. 202, c'est vraiment pas si loin que ça. Alors, c'est Bah, dans le écoute, il y a de 06. Lantosque là. Je croyais que c'était très très loin de moi. Non, 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 Bon. non, franchement, c'est à Nice, C'est vraiment à côté de mais oui, Saint-Quentin du c'est Var. ça, c'est à Ah ouais, 40 à d'accord. côté, Ah mais bah c'est alors, dans les environs, ouais. C'est à 45 minutes de Nice, je c'est dois vraiment pas confondre. loin, ouais. Ouais. Je dois confondre avec un autre Avec Manosque, non, pays, ça doit pas être ça. peut-être Manosque ou quelque chose comme ça. Voilà, donc là c'est Lantosque, c'est le samedi 2 Non, non, juin on est partout, quoi. et au bar de la place de Lantosque, ça va être sympa. Il y a nos amis Melchior Liboa et Jean-Louis Chinaski, donc à 20 h 30, ils font un set là-bas. Ensuite, alors date très importante s'il en est, à l'espace Grandjean, l'école des beaux-arts à Vallauris, il y a le Valorea Festival qui se faisait avant dans une grande salle, je ne me souviens plus le nom, mais maintenant ça se passe à l'espace Grandjean, donc l'école des beaux-arts à Vallauris, avec une programmation Maskit, Marine Brionne, Monkey Man, Photograph et Lila On The Rocks, un certain nombre de groupes qu'on a reçus déjà ici à la radio, à Ouais. partir de 19 h, samedi 2 Oui, juin. bah il y a du très bon, donc il faut Voilà. effectivement faut y aller quand même. Ensuite, mercredi 6 juin, milieu Attends, de semaine. il y a les auditions des talents des Nuits du Sud aussi le samedi 2 au Ah, Broc, tu je fais pense bien que de ça le doit lire, être je l'avais à, oublié ça. je sais pas si ça doit être 19h mais je suis pas sûr de l'heure. Broc. Allez vous balader sur les Facebook, notamment sur le nôtre, on l'a mis, donc c'est gratuit, c'est à la salle du Broc, c'est les auditions des groupes sélectionnés pour les talents des Nuits du Sud, donc c'est gratuit et comme toujours il y a du bon quoi. Il y a des très bons artistes, j'ai vu passer ça. Voilà, ensuite, donc la semaine suivante, le mercredi 6 juin, il y a un certain Azaf Azvidan que j'adore, que je trouve extraordinaire. Scène 55 à Mougins à 20 h 30. Donc On c'est l'a vu vraiment. plusieurs fois sur Ah scène, ouais, hein, ça moi fait je l'ai vu évidemment. plusieurs fois. C'est Ah ouais. partie des gens que. D'ailleurs, je sais peut-être, parce qu'en plus, hein, le mercredi, généralement, c'est un peu Un vide peu dans mon mort. agenda, donc c'est bien. Peut-être y aller faire un petit tour. Vendredi 8 juin, il y a ce qu'on a entendu tout à l'heure, mon ami entre guillemets Little Bob et Blues Bastard qui passe à l'Eurofestival Harley-Davidson à Grimaud à 20 h avec un autre groupe. Je me souviens plus le nom, mais j'ai écouté, c'est très bien aussi. Un peu plus country que rock-rock, mais vraiment ça vaut la peine. Et puis bon, le festival Harley, même si on n'a pas d'Harley, moi j'en ai pas, ça reste sympa. Puis le vendredi, il n'y a pas trop de monde. Si vous y allez le samedi ou le dimanche, il y a 10 000 motos, quoi. Donc là, après, c'est dur de bouger. Donc je vous conseille ce vendredi 8 avec Little Bob à Mais le 7, 20 h. c'est pas mal au même festival, c'est embêtant, parce qu'il y aura plein de motos partout. Ben Mais pourtant, c'est bien. Ensuite, le samedi 9 juin, toujours dans ce même festival, là justement, il y aura Simple Ben Minds bah oui, c'est qui pour ça que passe j'ai à dit. Grimaud. Alors attention, j'ai noté 1 h, mais je ne sais pas si c'est la bonne, mais il faut vraiment vérifier sur le programme, parce que j'ai noté que c'était à 13 h le Ah samedi. ouais, il faut Donc vérifier, il ouais. faudra regarder pour Simple Minds, il faudra vraiment vérifier. Ensuite, le 9 juin, toujours, on a les Bébert au festival Anségar, aux galeries Lafayette Ouais. de Cap 3000, à Allez, on va pas faire la blague Saint-Laurent-du-Var. de Benoît cette fois. Ouais. À 15 h. Là aussi, ça c'est de bonne heure à 15 h. On va aller voir ce groupe avec un autre. Il y a deux groupes qui passent. Le 10 juin, les Bébert plus Swarm plus. Il y a au moins 12 groupes sur 2 jours. À la gauche, s'appelle le La gauche. festival Un Max de Bruit. Ah bon, il y a ça à la Voilà, gauche. sur 2 jours. Et donc, il y a 7 ou 8 Ah mais artistes, oui, 7 ou mais 8 c'est sur groupes. la. Voilà, Mais c'est sur le parking chaque ça. jour. Hein? C'est sur un parking ça. Ah, j'ignore. Je crois Voilà. que c'est pas en extérieur. Ouais. Je sais que Bah c'est. on se renseignera, Voilà, je sais que c'est en extérieur. Après, où exactement? On se Voilà. renseignera, c'est sur un Donc, le parking dimanche, au-dessus du samedi et village d'à dimanche Pomerol. 10 juin, samedi 9 et dimanche 10 juin, un Effectivement, max ça de bruit. existe ça. Eh ben il Voilà. faudra y aller ça à la gauche, il n'y aura pas d'excuses pour pas y aller. Merci Gilles pour toutes ces Voilà. chroniques de concerts. Enfin,